Série de vidéos sur les applications de la proportionnalité. Après avoir discuté du mouvement uniforme dans une vidéo précédente, nous allons aborder la notion de vitesse moyenne. Il s'agit de l'application du cours qui est en ligne sur matguyon.fr que vous pouvez retrouver complètement. Alors, pour calculer la vitesse moyenne d'un mobile quelconque, un mobile c'est un élément qui se déplace, qui parcourt une certaine distance, on va l'appeler petit d, dans un temps qu'on va l'appeler petit t, eh bien, cette vitesse moyenne est donnée par le quotient de la distance par le temps, d divisé par t. Retenez bien cette formule, elle est fondamentale, v est égal à d sur t, et l'unité de la vitesse est donnée par le quotient des unités de la distance et du temps. Pour écrire une vitesse en kilomètres par heure, on peut d'écrire comme ceci, comme sur les compteurs automobiles, mais on peut aussi trouver dans des énoncés cette notation-là, ne soyez pas surpris, un point au lieu de la barre slash et h exposant moins 1, kilomètre, point, h moins 1 pour dire kilomètre. Ces deux notations sont équivalentes. De la même façon, on pourra avoir des mètres par seconde ou alors des mètres, point, seconde exposant moins 1, selon les énoncés. En première application concrète, une voiture parcourt 80 km en 40 minutes et la question est quelle est sa vitesse moyenne. Pour faire ce calcul, eh bien, il faut forcément partir de la relation de cours qu'on vient de voir. Ce n'est qu'une application directe qui nous dit que V est égal à D divisé par T, la distance par le temps. Cette voiture a parcouru 80 km et là il va falloir absolument marquer les unités. Cela va être fondamental. 80 km. En 40 minutes. On convient que comme unité de vitesse, les kilomètres par minute ne sont pas une unité qui est très sympathique. On pourrait, l'énoncé me le permettrait, terminer et en disant cela fait 80 divisé par 40, 2 kilomètres par minute. Ceci dit, cette unité n'est vraiment pas très utilisée. On parlera de kilomètres par heure pour un véhicule, donc on ne va pas répondre ceci. On peut sous-entendre que la question nous demande de répondre en kilomètres par heure, mais cette réponse ne serait pas fausse. Pour écrire cela en kilomètres par heure, il faudrait avoir au dénominateur une heure. Une heure, si je l'écris en minutes, il faudrait trouver une fraction avec le dénominateur 60 minutes. La question revient à par combien faut-il multiplier 40 pour avoir 60 minutes au dénominateur? Eh bien, il faut multiplier par 60 quarantièmes. Si on multiplie 40 par 60 quarantièmes, cela va me donner 60. 40 soixantièmes, ça fait d'ailleurs 1,5. Et on sait qu'une fraction, si je multiplie le dénominateur par 1,5, je peux multiplier le numérateur par 1,5. Cela restera égal. 80 fois 1,5, cela fait 120. La voiture a donc parcouru en moyenne 120 km en 60 minutes, ce qui veut dire 120 km en une heure. On peut conclure que la vitesse moyenne du véhicule est 120 km par heure.